Bonjour à tous, je suis Chloé de la plateforme Sport Santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la semaine 3. J'espère que les séances d'avant vous ont plu. Donc, on avait travaillé les membres inférieurs, le tronc, et maintenant on passe aux membres supérieurs. Donc, j'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui. Donc, pour cette séance, nous allons avoir besoin de deux bouteilles de lait ou deux bouteilles d'eau, à peu près d'un litre. Si vous avez ni bouteille d'eau ni bouteille de lait, vous pouvez prendre des livres qui font à peu près le même poids. L'idée, c'est d'avoir des poids pour faire les exercices que je vais vous proposer. Et ne jamais oublier sa bouteille d'eau. C'est important de s'hydrater pour faire des exercices, des séances d'activité physique. Donc, comme c'est des séances en ligne, en visio, je ne suis pas là avec vous pour contrôler les mouvements que vous faites. Donc, il faut être très vigilant sur certains points. Donc, dès que vous sentez une douleur inhabituelle qui vous fait qui une douleur inhabituelle, voilà, faut pas forcer. On n'est pas là pour se faire mal, c'est juste pour se faire justement du bien. Donc, voilà, on fait attention à ces mouvements. Là, on va travailler beaucoup sur les épaules. Donc, ceux qui ont mal aux épaules, on fait attention, on ne force pas trop. Dès que vous sentez une petite douleur, même une petite piqûre, on fait vraiment plus doucement, on diminue l'amplitude et on diminue tout. Ou même on peut s'arrêter, on met pause et on relâche un peu les bras. Voilà, je vous expliquerai un petit peu pendant la séance. Faut bien penser à s'hydrater. Moi, je m'hydrate beaucoup, donc vous faites comme vous le sentez, mais il faut quand même bien penser à s'hydrater. Donc la bouteille d'eau super importante. Et comme à chaque séance, pensez à bien, enfin, à pas laisser au sol trop de choses. Pour éviter de chuter ou de vous faire mal. Comme je vous ai dit les semaines d'avant, c'est pas recommandé d'aller à l'hôpital en ce moment. Et ben c'est tout bon. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, on commence la séance. Ah, j'ai oublié de vous redire notre spécial. On n'oublie pas la petite chaise pour ceux qui peuvent pas rester debout. Je ferai comme les autres séances. Du coup, je vous montrerai assis, debout. On peut les faire dans tous les cas, ou assises ou debout. Et bien c'est parti, on commence par l'échauffement. Allez, je vais vous montrer l'échauffement debout. Alors, on va commencer par l'échauffement articulaire aujourd'hui. Donc, on s'échauffe à peu près tout le corps. À chaque fois, on essaye de. Même si on va travailler sur tous les bras, on va essayer de s'échauffer aussi au niveau des articulations des membres inférieurs, du tronc, c'est bien. Donc comme d'habitude, on s'échauffe l'articulation de la cheville. Ah, ça fait un petit bruit. Super. Dans l'autre sens. Et on change de sens. De vos pieds, pardon. Pour ceux qui ont des soucis à la cheville, on y va vraiment doucement, on fait des tout petits ronds. Si même ça vous fait mal, pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire, le mouvement. Mais l'idée, c'est vraiment de la dérouiller, cette cheville. Comme on est quand même un peu debout la journée, ça fait du bien aussi de la dérouiller de temps en temps. Super. Alors maintenant, on va faire un peu les genoux. Du coup, pour ceux qui sont assis, on va essayer de partir en avant et de remonter. On part en avant, on remonte. On part, on remonte. On relâche. On monte le genou, on tend la jambe. On monte le genou. Montant la jambe. Ceux qui ont des gênes au niveau du ventre, vous n'êtes pas obligé de monter trop le genou. Vous pouvez le monter juste un tout petit peu. Tac. On déroule. Et on va donner un côté sur le côté. Tac. On balance. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Et oula, ça a bien craqué. J'avais besoin de me dérouiller aussi. Tac, on monte et on tend. On pense bien à la respiration du coup. On monte, on tend.
Comme tout à l'heure, si vous avez une gêne, vous n'êtes pas obligé de monter trop le genou. Ok, on part sur le côté, on donne un coup sur le côté. Super, on relâche. On met les mains sur les hanches. Du coup, si vous avez de la musique, il faut mettre la chanson. Mais on met les mains sur les hanches. Et du coup, là, l'idée, c'est de partir en avant et en arrière. Du coup, c'est le bassin qui part en avant, en arrière. Essayez de sentir basculer. Si ça vous fait mal, on pousse juste un tout petit peu. C'est vraiment juste un petit peu de un basculement de la hanche. Et on va pousser. On la lève droite, gauche. Alors, on garde les mains sur les hanches et on repart, on bascule devant et on monte, on essaie de regarder le plafond. On regarde le plafond. Une dernière fois, on garde le plafond et on monte. Super. Du coup, maintenant, on va faire la partie, le réveil articulaire sur la partie qu'on va le plus travailler aujourd'hui. Donc, on va commencer par les mains. Donc, j'aime bien commencer par les doigts. Donc, du coup, vous faites comme si vous jouiez du piano. Donc, on commence par un petit doigt et on enchaîne. Et progressivement, on essaye de faire quelque chose de plus fluide. On n'y pense jamais, mais les mains, comme on écrit de moins en moins, c'est important de les travailler. L'appréhension fine, c'est ce qu'on perd en premier en prenant un peu d'âge. Et on change de sens, on s'amuse. Super. On relâche, on ouvre, on ferme, comme si on avait de l'eau qu'on devait enlever. Allez, on enlève toute cette eau-là qu'on a sur les mains. Ok. Les poignets, du coup, on les tourne comme si on faisait la danse espagnole ou comme la reine d'Angleterre. On fait la même chose de deux côtés. Ok, on passe au coude. Du coup, là, c'est une ouverture. On ouvre grand. On fléchit, on tend, on attrape. Toujours bien penser quand même à bien respirer. On ne se met pas en apnée. Alors, on va mettre sa main droite à l'extérieur du coude gauche. Voilà, je vous montre la position. Et l'idée, c'est de rentrer la main à l'intérieur et la ressortir. Hop. Super. Donc, je vous remontre. Vous avez les mains comme ça. On fléchit tous les deux. Il y en a une qui attrape le coude, l'autre qui monte et qui rentre à l'intérieur, qui ressort. Super. On change de côté. Tac. Super. On relâche. On va faire un peu les épaules. On enlève à gauche, à droite. On lève les épaules. Tout doucement pour ceux qui ont mal. On y va doucement. Les autres, vous pouvez monter. Et progressivement, vous allez entraîner le bras. On entraîne le bras progressivement et d'un coup, on fait des... Hop. Hop.
Et on grandit. On lève comme si on faisait du dos. En natation. On lève. Ceux qui ont mal aux épaules, vous faites juste des petits cercles avec les épaules. Avec les bras fléchis. Les autres, on essaie de se grandir. Et un souffle. Ok, on relâche. On relâche. On relâche. On relâche. On relâche. Super. Bon, on a fait les épaules, les coudes, les mains, les doigts. On va finir par tout ce qui est au niveau des cervicales. Donc, on va faire oui, trois fois. Et non, trois fois. Et trois. Pourquoi faire jaloux? On va essayer juste de regarder en penchant la tête en haut. À droite, à gauche. Ok. Si ça, des personnes ont la tête qui tourne en faisant ces mouvements, vous y allez très progressivement, très doucement et vous n'êtes pas obligé de les faire. Ok, ça marche. Alors, on a fait la partie réveil articulaire. Maintenant, on va faire, je vous montre debout. Le réveil un peu au niveau cardiaque. Alors, on lève les bras tout doucement, comme si on voulait s'envoler. Un oiseau tout gracieux, gracieusement, on s'élève. On relâche tout le corps. Et progressivement, notre oiseau, il y a quelqu'un qui lui court après, du coup on essaye d'aller plus vite. Et on souffle bien. Pareil, ceux qui ont mal aux épaules, vous n'êtes pas obligés d'aller aussi vite. Et on essaye d'accélérer. On s'envole. On prend une vitesse assez importante et on relâche tout doucement. C'est bon, le risque est parti. Et progressivement, ça revient et on repart. Et on pense bien à souffler. Là, je vois que je suis en apnée par exemple, faut pas me suivre. Faut bien penser à la respiration. On s'en va. Et on relâche. Ok, super. Maintenant, on va mettre nos deux mains devant nous, comme si on voulait se bloquer. Il y a quelqu'un qui s'approche trop près de nous avec le Covid. On ne veut pas, on veut garder les distances de sécurité. Et on va le pousser tout doucement. En soufflant. On souffle. Et doucement, on va accélérer en soufflant toujours. Allez, encore 2 secondes. Et on relâche. Et d'un coup, il se rapproche, on repousse. On souffle bien et on relâche. On relâche les bras. On se relâche. Tout doucement. Pour finir, on va prendre nos poings. Et là, c'est comme si sur les côtés, fallait qu'on pousse quelque chose. Donc on va taper sur le côté. Alors c'est vraiment une rotation. Pareil, ceux qui ont des soucis au niveau du dos, qui ne peuvent pas faire de rotation, faites les poings devant, c'est pareil. Du coup les poings, il faut sortir le pouce, mais vous faites comme vous voulez. L'idée c'est vraiment de taper. Du coup, on y va doucement. Pensez bien à souffler.
Et pareil, on va commencer à accélérer un petit peu. Et on relâche. Et on réaccélère un petit peu, 5 secondes. Et on relâche. On relâche. Et vous avez gagné le droit de boire un petit peu d'eau pour récupérer. Donc, l'objectif de travailler les membres supérieurs, surtout les bras, c'est pour permettre de vous continuer à faire des tâches de la vie quotidienne et rester autonome. C'est super important. C'est pour ça que je vous dis de ne pas trop forcer, parce qu'on a souvent des douleurs au niveau des bras, des épaules, mais c'est important de continuer à les mobiliser et de les renforcer pour justement éviter d'avoir une perte trop importante. L'ensemble des mouvements que je vais vous montrer, c'est des muscles qu'on utilise au quotidien pour porter des choses, porter nos courses, porter des plats, ouvrir, chercher quelque chose au-dessus du placard. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont importantes et c'est pour ça que c'est hyper important de continuer à les travailler pour éviter justement de se faire mal. Donc c'est important que les muscles qu'on va travailler continuent à être toniques et en forme du coup. Allez, c'est parti. On va prendre nos deux bouteilles de lait. Alors, premier exercice, je le montre sur la chaise. Alors, on a les bras tendus, on essaye. Donc, on attrape nos deux bouteilles d'eau, de lait, pardon, pour se pareil. Et là, l'idée, c'est juste de lever les bras et on va faire 3 séries de 15. Alors, pareil, là vous avez le droit de vous arrêter à tout moment, 10, 12 ou 15. Dès que vous sentez que c'est vraiment trop dur, c'est vraiment l'idée d'enchaîner 3 séries. Vous allez voir, la troisième, ça commence à bien tirer normalement. Donc ça va, vous allez sentir, je vous dirai à la fin, les muscles que ça travaille et vous me direz si vous avez ressenti la même chose. Du coup, on va partir. Donc l'idée, c'est de souffler quand on monte et d'inspirer quand on redescend, de ne pas aller trop vite, comme on fait d'habitude, 1, 2, 3, 4. Ok ? Ceux qui ont mal aux épaules, vous faites comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de monter trop haut. Vous faites, voilà, une petite amplitude comme ça, c'est parfait. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 2, 3, 4. On pense bien à souffler. 5. 7. 8. 9. Allez, 10, ceux qui veulent peuvent s'arrêter, 11, 12, 13, et le dernier, et non, il en reste deux encore, 14, et le dernier, là, cette fois, 15, 2, 3, 4, super. Alors, ça a travaillé. Vous allez sentir à plusieurs endroits, ça dépend comment vous attrapez votre bouteille de lait. Mais ce qui travaille le plus, c'est les muscles qui sont ici. Du coup, vous devez le sentir quand vous montez. Donc, ça travaille les muscles qui sont ici. Et aussi derrière, donc les trapèzes et les deltoïdes.
Après, il y a d'autres muscles qui sont en jeu, ceux qui pour l'appréhension des mains et tout ça. Bon, allez, on fait une pause. Vous allez sentir, petite parenthèse, quand vous êtes toute la journée, quand on est tout tendu, là, c'est tous ces muscles-là qui nous font mal, du coup. Et l'idée, c'est de bien les relâcher aussi en fin de journée, qu'ils soient bien solides pour justement, comme ils sont contractés toute la journée, pouvoir les relâcher. Allez, c'est parti. 1. Trois, quatre, on pense bien à la respiration, cinq, six, sept, huit, neuf. La respiration toujours, hein. 10, ceux qui veulent s'arrêter à 10, ils peuvent. 11. 12. On essaye de pas trop hausser les épaules quand on fait ce mouvement. 13. 14. Et 15. Relâche, on peut se faire des petites. Relâcher le bras. On s'est relâché. Vraiment se relâcher. Ah, on relâche. Ça doit commencer à un peu chauffer quand même. Moi, je sens aussi un peu que ça tiraille. Allez, c'est parti, on fait la dernière série, promis. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, toujours en respirant, le 10. Ceux qui veulent à 10, on peut s'arrêter. 11. 12. Allez, plus que 3. 13. 14. Et le dernier. Et 15. Oh. On relâche. On commence. On relâche un peu. Super. Donc nos petites bouteilles, elles vont nous suivre un petit peu toute la séance. Pour bien les garder. Alors, le prochain exercice, vous devez à peu près tous le connaître, c'est de celui de remonter la bouteille. Voilà, super comme ça. Donc je vous montre sur le côté, ça serait peut-être plus simple. Donc votre coude est contre le buste. On va essayer de rester à 90 degrés et tout doucement on va remonter et redescendre. Ok? Donc vous devez essayer de mettre la main sur votre muscle et vous allez sentir quand ça, quand il monte, qui se contracte. Si la bouteille d'eau c'est beaucoup trop lourd pour vous, vous n'êtes pas obligé de prendre la bouteille d'eau. De lait. D'eau, de lait, comme vous voulez. Ok? Allez, on est parti. Donc, comme on va faire tout à l'heure, il faut bien penser à souffler quand on monte et inspirer quand on redescend. OK? On relâche les épaules et c'est parti. 1,
Je ne vous ai pas dit, on est parti pour 10 mouvements et on va faire 4 séries cette fois. 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, 10, on change de bras. Oh là, je suis là. Alors, ce que vous l'attrapez comme vous pouvez la bouteille, on la serre et c'est parti. Donc, on se repositionne, on relâche nos épaules, on a le coude contre nous et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, là, on pense à la respiration. 8. 9 et la dernière 10. Super. Alors, la prochaine série, on va essayer de faire les deux en même temps. Normalement, vous avez bien compris le mouvement, donc on va essayer de le faire en même temps. Donc là, on va essayer de partir les deux en même temps. Ok? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce mouvement? Quand on tient quelque chose, un plat dans les bras? Du coup, c'est ces muscles-là qui sont importants à travailler. Du coup, c'est pour ça qu'on les travaille aujourd'hui. Ok? Allez, c'est parti pour 10. 1. 2. 3. 4. 5. Toujours avec la même respiration, souffle en même temps. 6. 7, 8, 9 et 10. Super. Ah. On relâche. On relâche tout ça. Donc c'est vrai que c'est un muscle qui va avec le muscle qui est derrière. Il faut toujours les travailler ensemble. Du coup là on travaille celui-là et on va essayer de travailler après. Le muscle qui est derrière, donc c'est le biceps et le triceps. Du coup, il y aura une petite interrogation à la fin des 4 semaines de confinement. J'espère que vous notez tout sur un papier. Alors, la prochaine série, du coup, on a fait une par côté, les deux ensemble, et là, on va essayer d'alterner. Une, deux, comme ça, ok? Allez, c'est parti. Une, deux, on souffle. 3, 4, du coup on va en faire 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on arrête, j'en ai fait une de trop. Une en bonus. Je vous ai pas précisé. Pour ceux qui sont sur la chaise, vous faites pas les mouvements non plus arrachés sur la chaise. On essaye d'être au bout de la chaise, de penser à mon fluide habituel. On se grandit, on contracte les abdos, on relâche les bras et on est une bonne position. Allez, pour le prochain, je me mets debout pour pas faire le mal. Alors, le prochain, on va essayer de tenir du coup 20 secondes avec les deux bousseilles comme ça. Donc toujours avec les bras à 90 degrés, et on va essayer de tenir 20 secondes avec les deux bouteilles comme ça, en statique. Allez, c'est parti, on compte ensemble, et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas le droit d'accélérer sur ce passage. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâche. Super. Ceux qui ont besoin de boire, on est à la moitié de la séance, c'est bien de boire toutes les 30 minutes du coup. Donc ça fait 30 minutes, donc c'est parfait. Ok.
Donc ceux qui veulent un petit coup d'eau. Alors j'ai montré debout, je vais essayer de me rapprocher, vous verrez peut-être mieux plus près. Donc là le mouvement, on va. Donc là, le bras gauche est fléchi à 90 degrés. On relâche les épaules. Du coup, on essaye de mettre la main droite sous le coude gauche pour la tenir. Et l'idée, c'est de pousser. Voilà. C'est une flexion comme ça. Ok? On va faire, du coup, deux séries de 15 mouvements sur chaque bras. Allez, je m'empresse. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc vous devez sentir que c'est les muscles derrière qui se contractent du coup quand on avance. Alors pour ceux qui sont le plus souples sur les bras, l'idée c'est de monter le coude un peu plus haut et de tendre. Ça c'est le niveau 2. Ok ? On va rester sur celui-là pour vous montrer le mouvement. On est parti pour la deuxième série? Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14 et 15. Super, on change de côté. Allez, je le fais deux pour le tour. Okay. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. On va faire la deuxième série. Donc pensez bien, on souffle en temps et on souffle quand ça revient. Je vous dis 15, mais si vous sentez même la deuxième série que ça commence à être un peu dur au niveau des bras, on fait un peu moins, il n'y a pas de souci. Allez, deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 et 15. Super. C'est bien. On a bien travaillé là. Super, super. Alors, on relâche un peu les épaules. Alors, le prochain exercice, on ne va pas prendre de bouteille. L'idée c'est de avoir, on relâche les épaules et d'essayer de monter et l'autre descend. C'est un peu de coordination. Donc ma main gauche descend en même temps que ma main droite monte. Ok? C'est ce mouvement. Alors ceux qui ont mal aux épaules, qui ne peuvent pas monter la main très haut, on va faire un peu plus bas et vous allez me faire des montées.
aussi, mais un peu plus bas, comme ça vous n'avez pas à me faire un grand mouvement d'amplitude qui peut vous faire mal. Donc, on monte. Ok? Super. Alors, on pense bien sûr à la respiration. Du coup, on va le faire, allez, 15 fois. 15 allers-retours. Donc, on change à chaque fois. Tac, on change. Ok? Et on pense bien à souffler. Quand ça revient, on inspire. Quand ça s'écarte, on expire. Allez, c'est parti. On relâche. Ça tire bien au niveau des épaules. Super. On va essayer de la faire 3 fois cette série. Ok? Allez, super. On relâche bien. On relâche tout. On tend les bras. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On relâche. On relâche. On pense à grandir. Dès qu'on sent qu'on est relâché assez, on est reparti. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On relâche. Ah, ça a bien travaillé les épaules là. Super. Alors, on va prendre notre bouteille d'eau. Et là, l'idée, c'est on va fléchir la main et on va juste remonter. Je me suis mal exprimée. On va le faire autrement. Donc, on a les deux bouteilles d'eau contre nous, et l'idée c'est de monter au maximum et de relâcher. On va essayer de monter et tenir 10 secondes et relâcher avec les deux poids. Moi je vous montrerai. Allez, c'est parti. On monte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Et on monte. On va le faire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Et une dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. On pose nos bouteilles d'eau, on ne va plus en avoir besoin et on se prend un peu. Allez, je reprends un peu, je prends un peu d'eau. C'est bien vous hydrater. Hop. Et on est parti pour le dernier mouvement de la séance, du corps de séance. Et du coup, c'est parti. Du coup, on reprend nos deux petites bouteilles. Du coup, on va pouvoir le faire debout. Donc, on a les deux coudes contre nous. Donc, ceux qui peuvent se soulever, ma chaise est plus très droite. On a les coudes contre nous. Et là, l'idée, c'est comme si vous aviez serré contre vous quelque chose. Donc, je vous remontre. Donc, les deux coudes
sont à 90 degrés. Et on serre. Comme ça. Tac. Donc c'est une rotation des coudes. C'est ça, super. Allez, c'est bien. Donc on remonte vraiment pour pas que vous fassiez ça, c'est n'importe quoi. Donc 90 degrés, on attrape nos deux bouteilles et on les serre. Donc les bras, ils doivent, enfin nos bras, les coudes, ils doivent pas décoller le tronc. Ok? Et on est parti du coup pour 3 séries de 10. Super. Allez, c'est parti. 1. On souffle quand ça revient. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on s'arrête. J'espère que ça va toujours, vous avez la forme. Allez, on part sur la deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en 5. Et la dernière, on s'écarte et on repart. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Super, on a fini avec nos petites bouteilles pour les séries sur les bras. Donc, comme chaque semaine, je vais vous faire un petit défi. Donc, mon défi du jour, la première mission, c'est d'aller marcher dehors. Donc, il faut sortir, faire l'attestation pour ceux qui font la séance en période de confinement. Et marcher au moins 30 minutes par jour, c'est ce qui est recommandé. Et ramasser, comme c'est la période... comme c'est la période, comme on est en automne, ramasser une jolie petite feuille. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est le challenge de la feuille d'automne. On attrape notre feuille. Et là, l'idée, c'est de voir si vous avez un peu de souffle, parce qu'on vous montre tout le temps des exercices de respiration et savoir si c'est quelque chose qu'il faut travailler ou pas. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre sa main. La feuille sur la main, donc on la pose tranquillement, on la met devant nous, et l'idée c'est d'essayer de l'enlever de la main. Donc le challenge c'est déjà de la faire sortir de la main le plus facilement possible, et après on verra. Déjà le challenge 1, on met la feuille, on la met à peu près hauteur de bouche, et l'idée c'est de la faire partir de la main. Donc c'est le challenge, le premier challenge. Donc l'idée, comme on est quand même en période un peu particulière, comme on crache un petit peu en même temps, c'est d'avoir personne en face de nous pour éviter tout contact. Voilà. Alors, le deuxième challenge, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc, on va essayer de mesurer. Donc moi, je suis là, je pars avec ma main droite ou gauche, comme vous voulez, et... Oula, très mauvais essai. On recommence. Donc du coup, je me lève et je suis à 1, 2, 3, 4, à 4 pieds. Alors, je vais 3 essais, du coup, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Oula, pardon, c'est mon angle. 1, 2, ouais, je suis à 1,5 pied là. Le troisième essai, j'espère que j'irai un peu plus loin. Je crois que c'est mon mot. 1, 2, 3, 3 et demi. Bon, mon record au challenge de la feuille d'automne est 4 pieds. Donc, 4 pieds, en gros, c'est la distance entre ma main où j'ai soufflé et la feuille où elle est tombée. Déjà, l'objectif 1, c'est de réussir à enlever la feuille de sa main. Du coup, c'est vraiment pour voir si...
au niveau du souffle, vous arrivez bien à expirer. Donc, c'est le challenge du jour, le challenge de la feuille. Donc, vous me direz combien de pas vous avez fait ou si vous avez réussi ou non à enlever cette feuille d'automne de votre main. Vous pouvez la garder pour faire joli, du coup, chez vous. C'est sympa. Voilà. Bon, alors du coup, on a fini pour le corps de séance. Aujourd'hui, on va s'étirer. Du coup, c'est parti. C'est la partie retour au calme. Du coup, avec assouplissement un petit peu aussi. Et aussi travail de respiration. C'est super important de le faire. Ok. On va essayer aujourd'hui de faire je vais faire un peu les étirements debout. Pour ceux qui sont debout. Les autres assis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr les faire assis. Allez, c'est parti. Alors, on va écarter un petit peu ses jambes. Pour ceux qui sont assis, vous essayez d'écarter aussi un peu vos jambes. Et là, on va basculer et on va essayer de remonter en inspirant la main. Alors, ceux qui ont mal aux épaules, vous partez sur le côté ici. Les autres, on va monter au maximum. Et tout doucement, on va essayer de descendre. On essaye de ne pas partir en avant, en arrière. Le tronc, il reste pareil. Et tout doucement, on essaye de descendre au niveau du mollet. On remonte doucement. Et on va basculer de l'autre côté. On monte. Donc pareil, ceux qui ont mal aux épaules, on part sur ce côté-là. Et les autres, on pousse. On essaye de descendre tout doucement au niveau du mollet. Et on remonte. On va recommencer. On remonte, on inspire. Et on essaye d'attraper le mollet. Vous pouvez juste, c'est une toute petite flexion du tronc. Le mollet, c'est pour ceux qui sont plus souples. On revient en inspirant, on retourne au milieu et on change de côté. On inspire, on descend tout doucement et on revient en soufflant. On garde les jambes écartées et là on va entrelacer nos doigts. Et on va tout doucement partir. On monte. Alors, ceux qui ont mal aux épaules, on reste à ce niveau-là. Les autres, on inspire, on grandit. Et on pousse. Et on redescend tout doucement en inspirant. On remonte, on inspire. On relâche les épaules, on pousse au maximum et on redescend en expirant. On recommence, on monte, on inspire, on relâche les épaules et on pousse vers le haut. Et on relâche. Alors, on va remonter tout doucement et on va basculer sur le côté. Sur ceux qui ont mal au dos, on ne va pas plus loin que là. Les autres, on essaye de basculer sur le côté droit. On revient, on souffle. Et on change de côté. Et on souffle. Encore une fois. Et on revient. Alors, le dos, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui, mais c'est important de s'étirer, surtout si vous faites la séance en début ou fin de journée, comme on travaille toujours. C'est important de connaître les étirements du dos. On va relâcher nos mains. On va entrelacer nos doigts, mais on va l'entrelacer derrière. Donc, pour ceux qui ont la chaise, je ne sais pas si c'est faisable, je regarde, hein, comme ça je vais faire même temps vous là. Je vais faire même temps vous, ouais, c'est bon. Essayez de vous mettre vraiment au rebord de la chaise. Ok? Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est
7. On va fléchir le tronc. On est dans cette position, on relâche. Et on essaie de lever au maximum les mains. On relâche les épaules. On est détendu. Je ne veux pas que vous me fassiez un... je veux pas que vous levez trop les bras, mais c'est vraiment... On essaye de pousser un petit peu nos mains vers le ciel. On relâche, on remonte, on souffle. Tout doucement, on se rabaisse le tronc. On essaye de ne pas cambrer le dos. On relève les mains en inspirant. Et on tient. On souffle. On tient. On relâche. Et on remonte tout doucement. Super. Donc ces bras qu'on a, on va les relâcher, les délier. Et du coup, on va attraper avec... On va alors d'abord, petite flexion du bras gauche avec la main droite. On met la main droite sous le coude gauche. Et tout doucement, on va essayer de pousser vers l'arrière. Levez le coude. Super. Et comme si on voulait se voir, ceux qui ont mal au dos, enfin si vous sentez une douleur, n'importe qui, on s'arrête, c'est pas grave. Les étirements, c'est vraiment en fonction de nos capacités. Super. On relâche. On va tendre le bras, le fléchir et l'amener. Alors, là, vous aviez le bras fléchi. Là, vous allez le coller contre vous et essayez comme si vous vouliez taper la... avec votre main gauche, taper l'épaule, votre épaule droite. Et oh, t'as quelque chose, j'ai quelque chose à te dire, voilà. C'est vraiment comme si vous vouliez taper avec votre épaule droite. Et on va attraper du coup avec votre main, pardon, avec votre main droite, on va attraper le coude gauche. Et comme si on lui disait, allez, va tapoter un petit peu derrière la l'omoplate. Du coup, on pousse. Essaye de pousser là derrière. Super. Allez, on pense bien souffler, c'est super. On se relâche. On revient. Ok. On relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On fléchit le bras. Donc, on fléchit le bras droit. Avec la main gauche, on pose. On pose notre main gauche sous le coude droit et tout doucement, on va le soulever jusqu'à ce que nos capacités puissent le faire. Et on se relève. On souffle, on se détend. C'est des étirements. Super. On relâche. Tout doucement, on garde les bras fléchis. Et là, on tapote, on a tapoté le bras droit, pourquoi pas l'épaule gauche, pardon, l'épaule droite, on va faire tapoter l'épaule gauche. Donc pareil, et tout doucement, avec la main opposée, on va pousser. Pour que notre petite main droite, elle puisse dire bonjour à l'épaule gauche. À l'omoplate gauche, pardon. Et on relâche. Ok, donc on tient, on fait la position du tailleur, on va pas faire danser la polska tout de suite, hein. Je vous préviens. Et là, on essaie de se grandir. Alors pareil, toujours, si vous avez mal aux épaules, on reste comme ça. Les autres, on se grandit, hop, on tient, on met au-dessus de la tête. Ah. Et ouf, on se réétire. Ça, c'est des petits étirements le matin ou le soir. Ce serait super de les faire. Hein. On se remet en polska. On remonte, on inspire. On tient. Et on essaye de tenir 10 secondes. Et une fois qu'on a tenu, hop, on relâche. On se remet en polska. On remonte au niveau de la tête. Et là, cette fois, on va mettre nos mains derrière
la tête. Ceux qui ont mal aux épaules, vous pouvez mettre vos mains devant, là, au niveau du menton. Sans trop forcer, hein, mais... Du coup, là, l'idée, c'est progressivement, avec vos mains, accompagner l'abaissement de la tête. Comme si le menton voulait embrasser la partie qui est en dessous du cou. On va tout doucement. Si bien sûr vous avez mal au cervical, cet exercice n'est pas recommandé. Et tout doucement on remonte. Super, une deuxième fois. On descend tout doucement en soufflant. Et on remonte. Qu'est-ce qu'elle est lourde notre tête? Et on s'étire, on relâche. Super. Ok, on relâche un petit peu. Du coup, on a étiré beaucoup les bras. On va un peu s'étirer le dos parce que c'est toujours important d'étirer notre dos. C'est très important. Donc du coup, comme on a déjà fait, j'espère que vous en souvenez quand même. On va partir devant. Ceux qui ont mal aux épaules, on se met en polska. Et là, l'idée, c'est de creuser le ventre. On rentre le ventre. On cambre le dos. Et on revient tout doucement. Avec les mains. Et on bascule le bassin vers l'avant. On est reparti. On bascule le bassin vers l'arrière. On creuse le dos. Et on part devant. Et on revient. Une dernière fois. Parce que ça fait du bien. Bascule le bassin vers l'arrière. On cambre le dos. Et on pousse vers l'avant. Et on revient. Bassin vers l'avant. On essaie de regarder. Super, on relâche. On va étirer juste pour finir quelque chose qu'on n'étire pas souvent, mais qui sont aussi importantes, c'est nos mains, nos doigts et nos mains. Donc, vous mettez, comme si vous disiez stop, stop la vidéo c'est trop long. Du coup, on va avec la main opposée attraper les doigts et pousser vers l'avant. Super. On relâche et on change de côté. Super. Et on relâche. On va mettre nos mains comme si on priait. Pour ceux qui prient comme ça, hein, il y en a d'autres qui prient autrement. Du coup, et on va se les mettre en opposition. Du coup, on va basculer d'un côté et de l'autre. Super. Et on relâche. On va mettre les mains sur ses cuisses. Du coup, en haut. Donc, elles partent en haut de la cuisse et elles vont finir au niveau des genoux. Donc, on inspire, on remonte et on souffle, elles partent vers les genoux. On va essayer d'enchaîner ce mouvement en fermant tout doucement les yeux et en se rappelant de la séance qu'on vient de faire. On se détend, on oublie qu'on a eu mal durant cette séance, on détend l'ensemble de notre corps, on se concentre sur notre respiration et on continue encore deux fois.
Une fois qu'on se sent à l'aise, on réouvre progressivement les yeux. Alors, je laisse un peu de temps, je bois un peu d'eau. Alors, j'espère que cette séance vous a encore plu. Donc, la semaine prochaine, on fait l'ensemble du corps. Donc, tous les exercices qu'on a un peu vus durant ces 3 premières semaines, on va un peu les reprendre et travailler l'ensemble du corps. C'est super important de travailler tout son corps. Comme vous l'avez vu, on a essayé de travailler, nous, chaque semaine, on a décortiqué un peu les mouvements. Du coup, ça va être très important de faire cette dernière séance et vous faire un peu une idée de comment faire une séance en travaillant tout. Voilà, donc du coup, cette semaine, ma collègue Roxane continue de faire les séances le mercredi à intensité moyenne. Du coup, elle vous attend mercredi. Et motivé. Et du coup, mon collègue Hugo fait la séance le vendredi à intensité un peu plus forte. Du coup, pour les plus motivés, avec un peu de musique et des un peu chorégraphié, c'est sympa. Voilà. Faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions ou vous voulez des renseignements sur les exercices que vous n'avez pas tout compris. Il n'y a pas de souci, on est disponible par mail ou par téléphone. Sinon, en dessous, là, vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube. Voilà. Je vous attends pour le challenge pour me dire quelle est la distance, à quelle distance est allée votre feuille. Et voilà. Oula. Et en tout cas, c'est tout bon pour moi la semaine prochaine. Toujours en forme. On reste actifs ensemble et on reste motivés à rester actifs les autres jours aussi en continuant à essayer de faire des exercices. À l'extérieur, aller marcher un petit peu sur l'heure recommandée. 30 minutes par jour, c'est parfait. Bonne semaine à vous, à bientôt!